de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo yanzambe, Tata, Mwana, Pemolimo Santo. Éternel Tout-Puissant, nous venons devant toi cet après-midi. Tata Abokasi Nyonso, Toye Painayo, Nasima Nzanga Eye. Nous sommes venus pour te remercier. Toye Pona Kokumisa Yo. Nous sommes venus pour t'adorer. Toye Pona Kotondo Yo. Nous sommes venus pour chanter ton saint nom. Toye Pona Koyemba Kombo Nawe Santu. C'est toi qui créa la terre et le ciel. Yonde Mokeli Yamabele Mpelikolo. Pour ça, nous te remercions de nouveau. Nous te remercions pour tout ce que tu as créé, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et tu as mis l'homme au-dessus de tout. Nous te remercions pour ça. Viens alors, Éternel Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta parole. Seulement ta parole. Éternel Tout-Puissant, Dieu d'amour. Nous laissons entre tes pommes de main tous tes enfants de Dieu, tous nos serviteurs, tous nos apôtres, notre apôtre des districts et notre apôtre patriarche. Laisse que leur prière nous couvre. Nous prions pour ceux qui sont malades dans des hôpitaux, dans des maternités et aussi dans des dispensaires. Nous prions également pour ceux qui souffrent à la maison, ceux qui manquent les moyens d'aller au dispensaire ou à la maternité. Que ta main bénissante soit sur eux. Nous prions également pour l'Église. Nous prions pour ton œuvre. Que ta main bénissante soit sur cette œuvre dans notre pays RDC Ouest. Également, nous prions pour les enfants de l'école de dimanche. Spécialement, nous prions pour les enfants de l'école de confirmation. Ceux qui se soucient de ne pas passer à la confirmation. Que ta main bénissante soit sur ces enfants. Parce que ce sont eux qui sont pour l'œuvre de demain. Nous n'allons pas oublier la jeunesse et les encadreurs de la jeunesse, nos frères et sœurs en Christ, ceux qui sont au loin et au près, et que les prières des apôtres puissent nous couvrir. Nous te demandons ainsi au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous avons la parole aujourd'hui en Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth, chapitre 1, verset 16. Nous lisons. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Kasi Ruth azongisi, kotindangaite makasi natika yo, kopekisangaite na landa yo, pambate esika yo kokende, ngaipe na kokende. Esika yo kovanda, ngai pe na kovanda. Bato ya ekolo na yo bakozala bato na ngai. Nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Prenez place et la chorale nous donne un cantique. Bozo esika bongo bayembi nzembo bapesa biso nzembo.
Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ. Balingamikati nankolo bandeko ya basi pe amibali. Ensemble, nous sommes venus aujourd'hui pour remercier notre Père céleste. Elongo toye lelo mpona kokumisa tata na biso likolo. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Bambate yenda tondi bokasi nyonso. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Bambate yenda keli lo lampe mabele. C'est pourquoi nous sommes obligés de le remercier. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi un grand jour? Parce que Dieu est venu pour nous parler. Pourquoi le grand jour? Parce que le Saint-Esprit est venu pour se manifester. Se manifester pour toi et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, nous vous avons lu la parole en Rite 1, chapitre 1, verset 16. On veut un peu parler de le contexte où cette parole est tirée. C'était un jour dans le pays d'Israël. Habitait là-bas quelqu'un avec sa femme Naomi. Et puis, avec ses deux fils. Comme à l'époque, à ce temps-là, en Israël, il y avait la famine. Il y avait la famine. L'homme s'est décidé d'aller à l'étranger. C'est-à-dire, je donne un exemple, nous sommes ici à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, il y a la famine partout. Et l'homme prend la décision d'aller habiter en Angola, à Luanda. Ou habiter à Brazzaville, ici en face. C'était comme ça à l'époque. Ce monsieur et sa femme Naomi se sont déplacés d'Israël jusqu'à Moab. Quand ils sont arrivés là-bas, plusieurs années passées, le mari de Naomi va mourir. Plus tard aussi, les deux fils de Naomi
sont aussi morts. Bana mibali oyo ya mibale ya Naomi bakufi pe bango nyoso. Et Naomi s'est retrouvée veuve. Naomi atikali mwasi wa zanga mobali. Ses deux belles filles sont restées veuves. Ba bokilo na ye mibale ya basi batikali pe basi bazanga mibali. Et plus tard, pesi mamwa tango, Naomi a pris la décision de rentrer dans son pays natal. Naomi azoki mokano ya kozonga na mboka na ye. Il a proposé à ses deux belles filles que chacune d'elles devrait rentrer dans le toit de ses parents. Et la première fille a accepté la demande de Naomi. Elle a fait sa valise. Elle est rentrée chez ses parents. Arrivée autour de Ruth. Ruth a refusé. Ruth a boi. C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères. Awa balingami kati nankolo. C'est ici où est tirée la parole que nous vous avons lue. Je voudrais encore relire cette parole. La lingina meka kotanga lisusu maloba wana. Ruth répondit. Ruth ayanoli. Ne me presse pas de te laisser. Kotindi kangai tenatika yo. De retourner loin de toi. Kozonga mosika na yo. Où tu iras, j'irai. Esika yo kokende ngai pe na kokende. Où tu demeureras, je demeurerai. Esika yo kovanda ngai pe na kovanda. Ton peuple sera mon peuple. Ekolo na yo ekozala pe ekolo na ngai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Bongo nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs. Balinga mikati na nkolo bandeko mibali mpe basi. Vous regardez ces paroles en la lisant. Nous voyons que Naomi était fidèle à Dieu. Et ceux qui sont fidèles à Dieu ne peuvent jamais regretter. Bien chers frères et sœurs en Christ, nous vous appelons d'être fidèles à notre Père Céleste. À son tour, sa main bénissante sera sur chacun de nous. Sa main bénissante sera sur toute l'église de la RDC Ouest. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous voulons avoir confiance en l'aide de Dieu. C'est ça le message que nous devons retenir. Avoir confiance en Dieu. La fidélité dans les détresses. Nous devons tenir bon, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères. La condition requise pour la bénédiction de notre Dieu, c'est la fidélité. Naomi est restée fidèle à Dieu. Naomi a tikala ka moyenge bene pa ina nzambe. C'est pourquoi elle a bénéficié de l'aide de Dieu. Ndeti nazwa ki lisungi ya nzambe. Il nous est révoltant de croire à Dieu. À l'affliction, restons lui fidèles. En obéissant sa volonté, Dieu n'oublie pas les fidèles. Dieu ne s'est pas servi d'un miracle pour bénir Naomi. Boaz a aidé les deux femmes de leur situation difficile et a finalement épousé Ruth. Soyons réceptifs aux impulsions du Saint-Esprit. Dieu veut nous venir en aide à travers notre prochain. Donc nous n'attendons rien de lui. Quelqu'un qui est à tes côtés. Mes chers frères, mes chères sœurs. Celui que tu n'attends pas quelque chose auprès de lui. C'est à partir de lui que Dieu peut te bénir. Et restons toujours fidèles à notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ. Balingami kati na nkolo bandeko mibali pe basi.
Dieu avait élu Ruth. Zambe aponaki Ruth pour devenir l'arrière-grand-mère de David. Pote azala koko ya Dawidi. Ruth chapitre 4 verset 17. Alors ba wana ndezomi na kati ya mukanda ya Ruth chapitre 4 verset 17. C'est là où nous allons trouver que Ruth a été élu par Dieu. Wana neto kokute te Ruth azala ki moto nzamba ponaki. Élu par Dieu pour être l'arrière-grand-mère de David. Aponama ki poeta azala koko ya koko ya Dawidi. Pour l'amener à Bethléem. Poeta kumba ekino na Bethléem. Il n'est pas intervenu d'une manière spectaculaire. Il n'est pas intervenu d'une manière spectaculaire, mais il a guidé les chemins de Naomi. Il a guidé le chemin de Naomi parce que Dieu avait béni Naomi. Dieu avait béni Ruth. C'est ce qui fait que Dieu a béni Naomi et Ruth. Bongo nzamba pambolaki Naomi Perit. Ruth a suivi la belle-mère parce qu'elle aimait sa belle-mère. Ruth alanda ki mama bokilo na ye po azalaki kolinga ye. Parce qu'elle est restée fidèle et humble. Poeta tikala ki na boyenge benepe na komikitisa. Envers son Dieu et pa ya nzambe na ye ou à laquelle il y avait un dévouement. Elle a été même incitée pour sa foi exemplaire. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères, à faire Dieu d'Israël son Dieu. Ruth a fait le Dieu d'Israël son propre Dieu. Ruth a commencé qui nzambe ya Israël nzambe na yemoko. C'est pourquoi il a été béni. Ndeti na wana pambola maki. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères, balinga mikati na nkolo, à travers cet exemple, nanzela ndakisa oyo, nous voyons que nous pouvons être un modèle. Tozo monete to sengeli koza la penda kisa pour d'autres personnes. Pona bato mosusu, agir à notre attitude en plus de crainte de Dieu. Na lolenge ezaleli na biso oyo tondisa mina bobangi nzambe. Dieu veut aider tous les hommes. Notre mission est d'attirer l'attention et les œuvres. Efforçons-nous plutôt de donner les bons exemples en faisant preuve d'humilité. En sérénité, en confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, prenons l'exemple sur Naomi et Ruth. Dans la conséquence en Dieu. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui? Naomi et Ruth se trouvaient dans une situation désespérée. Cela, cependant, contraire aux apparences. Dieu ne les avait pas oubliés. Naomi est restée fidèle à Dieu. Elle a exprimé son aide à Dieu. Bongo azwaki lisalisi na ye pa ina nzambe. Ruth a pris l'exemple sur la fidélité de Naomi. Ruth azwaki penda kisa ya botieli motema o Naomi azalaki nango. Elle s'est tournée vers les dieux d'Israël. Abalusi miso na ye pa ina nzambe ya Israël. Notre mission est d'attirer l'attention des hommes sur Christ. Par la parole et les œuvres. Amen. Amen. Nous demandons à la chorale de nous interpréter un cantique. Nous sommes avec notre apôtre Kankonda.
s'il peut venir pour nous compléter. Soki akoki koya mpona kobakisa moke. Chers frères et sœurs en Christ, dans ce texte, nous voyons la profondeur de la grâce de Dieu et de sa patience envers Naomi. Dieu intervient à chaque pas. Nzambe asungaka na tango nyonso. Dieu intervient à chaque pas pour la guider et l'encourager sur le chemin des retours. Le chemin est toujours plus pénible pour ceux qui sont éloignés. Frères et sœurs en Christ, ce ne sont pas les souffrances qui justifient à nous décider à revenir à Dieu. Mais ces souffrances peuvent parfois nous être en aide. En aide lorsque nous réalisons toute amertume qui résulte de notre éloignement. Nous savons que, frères et sœurs, l'éloignement peut être dû parfois aux difficultés de la vie. Cet éloignement peut être dû soit à la perte de nos très chers. Et comme ce fut aussi le cas de Naomi. Ils appellent le lengue Natango et Naomi. Cette femme qui est descendue si bas. Moi si Oyo. Qui est descendue si bas. Oyo a quitté qui pendant la semaine koleka. Sans moyen d'existence. Adalaki soit attendu de l'autre côté ya kobika na yango. Sans appui visible. Adalaki attendu li sungi li sous terre koko uta. Mais dans cette épreuve, Dieu avait intervenu. Mais lorsqu'on se retrouve dans ce genre de difficultés, chers frères et sœurs, on éprouve toujours un grand et réel besoin d'être consolé, d'être encouragé. Mais ça a été aussi le cas avec Naomi et Ruth. Dieu a tout fait pour intervenir et les encourager et les guider leur pas. S'agissant de Orpa et Ruth. Orpa a quitté Naomi. Orpa a longo qui mosikana Naomi. Et Ruth s'attache à Naomi. Kasi bongo Ruth a tikala ki akangami na Naomi. L'incrédulité chez l'une et la foi chez l'autre ont creusé un fossé entre les deux femmes. Elles se ressemblaient pourtant à bien des égards.
koyokana to kokokana. Elles avaient traversé les mêmes circonstances. Bakutanaka na makambu ya ndenge moko. Mais leurs convictions n'étaient pas les mêmes. Kasi lolenge na bango etinga na bango ya kindenge moko te. Lorsqu'on traverse ce genre de difficultés, frères et sœurs. Tangu tokutanaka na bapasi ya lolenge wana balinga mimibali pe basi. N'est-ce pas le moment de confesser? Yangote zali ngonga ya koyambola. Si nous avons perdu toutes les ressources. Ce qui t'obungi si nyoso. Ressources spirituelles. Ezala makoki na biso ya molimo. Ressources naturelles, morales. Ezala makoki ya bomototo ya kobika na yango. Quand on a perdu même les ressources matérielles. Tangu t'obungi si ezala biloko tozalaki na yango. N'est-ce pas le moment? Yangote ngonga. De nous confesser. Oye sengeli na biso. Si nous avons perdu toutes ces ressources. Que Dieu peut et veut agir en notre faveur. Dieu peut toujours agir en notre faveur. Si nous lui restons fidèles. Si nous lui faisons confiance. Il peut tout faire, bien-aimé. Lorsque Naomi est revenue à charge. Et est revenu à charge pour insister à ce que Ruth retourne à moi. Et Ruth a réagi tout de suite en disant, ne me prie pas de te laisser et me retourner à Moab pour me séparer de toi. Et tout de suite, Naomi s'est aperçue que tout a été pesé dans le cœur de Ruth. Sa décision était irrévocable. Son choix était fait, c'était le choix de la foi. C'est ce qui nous est demandé, frères et sœurs. Est-ce notre décision est-elle irrévocable? Les choix que nous avons faits est-il le choix de la foi? Lorsque nous nous retrouvons dans pareille situation comme celle qu'a connue Naomi et Ruth, quelle décision prendrions-nous à cet égard? Lorsqu'on lit dans Romains chapitre 8, verset 35, il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la mort? Est-ce la maladie? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la nudité? Posons-nous cette question. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Nous trouvons une petite consolation dans le verset qui suit, au verset 37. Ya solo tozwaka mwa lilendi si na maloba we komami na kati ya verset 37. Là où il est dit. Et pas wapi komami ete. Dans toutes ces choses. Na kati ya makambo nyoso. Nous sommes plus que vainqueurs. Tozali ba ebalongi. Par celui qui nous a aimés. Na oyo oyo linga kibiso. On dit nous sommes plus que vainqueurs. Tozali koleka ba ebalongi. On ne dit pas que nous sommes vainqueurs, nous sommes vainqueurs. On dit plus que vainqueur. On vous présente un vainqueur. Et on vous dit que vous êtes plus que lui. N'est-ce pas une consolation, chers frères et sœurs? Et quand on descend encore plus bas, on dit ceci. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Et au dernier verset de 39, il est dit, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu et cet amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle exhortation, chers frères et sœurs. Quelle exhortation. Quelle consolation. Quelle assurance. Soyons attentifs, chers frères et sœurs,
à cette exhortation de notre Seigneur. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, faisons confiance à notre Maître et Seigneur. Il guidera nos pas. Il nous encouragera dans toutes les situations que nous pouvons vivre dans, sur cette terre. Et il nous rendra vainqueurs. Amen. Amen. Vous avez compris que c'était notre apôtre qui était ici. Parce que les détails donnés nous ont servi. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, Naomi et Ruth sont des exemples pour nous aujourd'hui. Pour la RDC Ouest. De tout ce que notre apôtre vient de nous dire, nous devons retenir ceci. Naomi et Ruth se trouvaient dans une situation désespérée. Contrairement aux apparences, aux apparences de Dieu, contrairement à ce qu'ils avaient auparavant, Dieu ne les avait pas oubliés, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous retenons, nous restons fidèles à notre Dieu. Dieu ne va pas nous oublier. Dieu restera de nos côtés. Sa main bénissante sera sur nous. Voilà ce que nous pouvons retenir cet après-midi. Que ceci reste jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous demandons à la chorale de nous interpréter un cantique de repentance, s'il vous plaît. Je vous invite à la prière de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du Christ reste avec vous. Amen. Amen. Bon Père Céleste, nous te remercions pour la parole que tu viens de nous accorder.
Nous te remercions pour le pardon de péché. C'est à cause de Jésus-Christ à la croix que nous héritons aujourd'hui de ce pardon de péché. Pour ça, nous te remercions vivement. Nous laissons cette église entre tes mains. Nous laissons l'apostolat entre tes mains. Nous laissons tous tes serviteurs et enfants dédiés entre tes paumes de mains. Viens nous bénir au nom de ton fils Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, nous passons maintenant. Nous terminons le service divin par la prière. Je vous invite à la prière. Bon Père Céleste, Tata wa likolo, Dieu d'amour, Zambé wa bolingo, Dieu miséricordieux, Zambé wa mawa, nous te remercions pour la parole seulement que nous venons d'avoir. Nous te remercions pour l'apostolat que tu nous as siégé. Nous te remercions pour l'amour de tes enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas venus mais vivre dans la maison de ton, dans ta maison. Nous avons amené l'offrande pour la reconnaissance de ton œuvre. Au chemin de retour, soyez avec nous. Nous prions pour le pays. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour les autorités sanitaires. Que laisse que leur prière nous couvre. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit reste avec vous. Amen. Amen. Oui, la chorale peut nous interpréter un cantique de clôture, s'il vous plaît.
Ulelela